Nailed a point zero game. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour nos aventures sur Subnautica. Alors, j'ai récupéré le fragment manquant pour faire mon petit réacteur. Voilà, donc il me faut de l'huile et du fil. Donc, je dois avoir ça ici. Ah non, de l'huile, je n'en ai pas. Ah si, peut-être que je l'ai mis dans la caisse qui est en bas. Alors, il fait nuit. Hop, ah oui, parce qu'il faut. Si on se présente sur la poignée, il pense qu'on veut le transporter. Ah non, je n'ai pas. Ah, je n'ai pas d'huile. Je n'ai pas d'huile. Donc il va aller. Va falloir aller en chercher. Et ben, on va aller en chercher tout de suite. Donc, hop, l'huile. L'huile, c'est par où? C'est par là. Attendez voir. Si ça c'est là, c'est par là. J'essaie de me repérer. Hein. Donc il faut que je fasse de l'huile. Certainement pour lubrifier le moteur. Ah oui, donc je voulais pas. Non, peut-être pas passer par là parce que là il y a des poissons. Fusées. Ah, par contre, c'est bien pratique de passer par là parce que ça nous emmène directement à. Ah bon, on pense une petite ressource en passant quand même. Bon, c'est du titane, ça. Le titane, c'est pas ce qui nous manque. Hein. Ah, un caisson. Un caisson, un caisson, un caisson. D'accord. Ah oui, comme j'ai déjà scanné, maintenant, il me donne du titane. Oui, j'ai oublié ça. Donc, on va aller chercher ceci pour se faire de l'huile. Donc, on va en prendre... On va en prendre deux, on va pas en prendre énormément. Combien il me faut de... Oui, il en faut qu'un. Oui, donc hop, on va remonter parce que là, on est à 22 mètres. Tac. Tout en me dirigeant vers la... Ma capsule. Hop, non, je vais retirer le scan. Voilà. Et donc ça va aller, on va aller un petit peu plus vite avec notre petit propulseur là. Je sais pas comment ils appellent. Hop, on repart dans l'eau. Je sais pas s'il nage plus vite dans l'eau. Bon, au début en santé ça va, en nourriture et soif ça va parce que j'ai fait le plein avant de commencer la vidéo. Hop, allez, mais tu vas monter. Voilà, allez, c'est par là que ça se passe. Donc, ah bah oui, non mais il faut peut-être déjà que je la fasse. Hein. Je vais en faire deux. Je sais pas s'il faut... Voilà, ah, alors là, ça va être... Voilà. Ah, alors allez, il prend quand même pas mal de place. Ouais, faut rester à 5 km. Bah ouais, mais il prend quand même pas mal de place. On va le mettre à la place de mon scanner et ça ici dans l'ordre là, la lampe. Voilà. Donc il prend quand même pas mal de place dans mon inventaire. Et il fonctionne avec des piles aussi, donc on va aller tout de suite se tester ça. En plus, il fait jour. Alors, si je me souviens bien, voilà, hop, et il cartographie un peu. Voilà, on dit, il me dit où je suis sur la carte. Ça, on peut, hop, on peut allumer la lumière ou tout éteindre. Donc, pour l'instant, on va tout éteindre. Allez, là ça va quand même beaucoup plus vite pour aller d'un point A à un point B. Donc là bon, on retourne du côté de la vigne, vous voyez. Ah là,
Je voulais venir ici pour vous montrer que c'est là que j'ai récupéré le schéma de ce petit engin. Et on a ceci à scanner. Hop là, pardon. Je vais y arriver. Hop, voilà, j'en ai scanné un. Ça, il n'y a rien à scanner là-dessus. Est-ce qu'il y a des trucs à scanner par là? Non. Non plus. Ça là-bas, est-ce qu'il y a un truc à scanner là-dedans? Ouais, super, je l'ai évité. Ah, pas longtemps. Je vais essayer de le scanner. Bon, hop, on va arrêter parce que il va me manger sinon. Et ça l'énerve. Ça a l'air de l'énerver, ouais, ça l'énerve. Hop, on va essayer de se mettre safe. Voilà. Hop. Donc là, on a trouvé des technologies. Attendez, je retourne là-bas. Donc on se remet le petit moteur, ce qui permet de monter beaucoup plus vite. Vous voyez, hop. L'objectif, c'est d'aller là-bas quand même. Ah bah voilà. Le deuxième est là. Donc voilà, j'ai un piège à gravité. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. On essaiera d'en faire un. Ah oui, il y en a encore un là. Là, si je le scanne maintenant, ça va me donner. Voilà, ça me donne une ressource. Ah, il y a autre chose à scanner là. C'est une balise, d'accord. C'est un morceau de balise. Ah, il y a ça à scanner. Schéma de paillasse, d'accord. On va pouvoir fabriquer des choses dessus. Je pense qu'on aura les unités. Ah ouais, il y a du matos là quand même à scanner. Hein. Ouais, j'avais déjà scanné ça. Parce que ça m'a donné une ressource. On continue. On va se reprendre notre moteur. Hop, on va essayer de passer par là. Hop. Donc là, normalement, si on a. Ah, oh là. Ça, c'est intéressant. De l'argent, de l'or, ah non, ça n'est pas une, ça si là c'en est une, de l'argent, ça c'est la caverne d'Ali Baba ici. Là il y a un œuf de créature. Alors attendez, je vais juste prendre la lampe, voir s'il n'y a pas les ressources. Bon, ça c'était du titane, c'est pas le plus intéressant. Donc là, on se reprend le moteur pour remonter. Voilà. On se refait le plein d'énergie. Donc ma capsule est à 269 mètres. On redescend. Vous voyez, donc dans les profondeurs, on a beaucoup plus de ressources. Par contre, il y a un peu plus de personnes agressives. Vous voyez, alors bon, on trouve pas tout le temps. Bon, ça, c'est du cuivre, hein, ça peut toujours servir. Voilà, il m'a raté. C'est. Hop, 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 on va fuir. Voilà, hop, du titane, hop, hop, du cristal. Ah, théoriquement là, je dois pouvoir lui échapper. Ouais, avec le moteur, on peut lui échapper quand même, vous avez vu. Ça peut aider, hein. Bon, là, je suis quand même assez éloigné de ma base. Bon, j'ai de la nourriture en grand nombre, mais.
Alors là, on approche d'un nouveau dôme, on va dire d'un nouveau biodôme. Voilà, du sel. Ah, du sel, du sel, du sel. Ah oui, d'accord, lui, il y a lui, j'avais pas vu. Lui, il est chiant, lui. Voilà, on va prendre du sel. Ah, là, il y a un truc à scanner. Sûrement. Ouais. Donc, on va, hop, prendre le scanner. Ah, bah, j'avais déjà dû le scanner puisqu'il me donne des ressources. Ouais, on va pas jouer au héros. On va remonter. J'irais bien m'approcher de l'Aurora, moi. Hein. Mais bon, avec le petit moteur, je peux pas trop. On va descendre. Hop. On a du sel encore. Récupérer de la ressource tant qu'on peut en récupérer. Voilà. Le scan de courte portée suggère de combien de ce biodôme. Alors attendez, il veut que je scanne. Ça, je peux scanner ça? Non. Ça. C'est du quartz, je peux pas scanner. Non, ben qu'est-ce que tu veux que je scanne? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, hein. Donc là, on va en profiter pour faire le plein de. Ça serait du cuivre. J'ai déjà fait le plein d'énergie, enfin d'énergie, de matériaux rares, on va dire. Donc ça, c'en est pas un, ça, non. On va se reprendre le moteur. Voilà. Donc là, on longe les vignes. Alors, un peu de sel encore. Encore un peu de sel. Hop. Ah. Ah, je sais pas où je suis là. Ah ouais, je suis quand même près, proche de l'aurore. Hein. Ma capsule doit être loin, 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 loin. Alors ma capsule est par là, voilà. Elle est à 700 mètres. Là, on visite un peu quand même parce que je suis jamais venu ici. Ça doit la scanner, ça. D'accord. Ah bah je suis plein en. Oh là, oh là là, oh là là. Oh d'accord, ok. On s'en va, on s'en va. On repart vite. Bon, avec tout le matos qu'on a récupéré, on va peut-être essayer de se faire un peu de matériel. On va traverser ça vite fait, bien fait. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire comme matos, mais on va essayer de se faire du matos. Pardon. Je pensais ça qu'il y avait des trucs à scanner, mais non, j'ai peut-être tout scanné ici. La capsule, c'est par là. Qu'est-ce qu'il me disait là? Il y avait un truc à faire? Ah non, d'accord. Hop.
Sauvons-nous, sauvons-nous. Alors, hop. On va se retirer ça des mains. Donc, je peux créer ceci. Une peau du cuivre, une pile, du titane. Ah, donc, c'est utilise la créativité artificielle pour attirer les objets légers et les petites créatures. Ah, bah, pour se nourrir, ce serait peut-être pratique ça. Donc, que peut-on créer en électronique? Ah là, je savais bien qu'on pouvait créer des kits électroniques. On va s'en créer un. Parce que là, j'ai récupéré pas mal de minerais d'argent. Voilà. On va se créer un fil de cuivre, pas pour l'instant. On va se créer ceci. Comme ça, on va pouvoir le ranger. Ça prendra beaucoup moins de place. Ça, c'est pareil. On va s'en débarrasser. Électronique, je peux faire du cuir, du. Oh non, mais. Faut que je fasse des piles, je pense. Alors, on peut créer un masque. Conserve l'oxygène en plongée profonde. Absorbe et recycle le CO2 en air respirable. Ah, ça c'est pour plonger. J'ai ce qu'il faut pour le faire. On va attendre de pouvoir le faire. On va voir un peu. Ici, non, pardon. Ils ont les outils. Non. Ça, il me faudrait un circuit intégré. Comment je crée un circuit intégré? D'accord, il me faut du fil de cuivre et de l'or. De l'or, j'en ai. Voilà, fil de cuivre. Tac, tac, tac. Et il me faut deux trucs comme ça. Alors, est-ce que je les ai pas mis là ou je les ai mis en bas, ceux-là? D'accord, je les ai mis en bas. Ok, tac. Donc là j'ai du sel. Donc il me faut de ça là. Hop, il me faut le couteau déjà. Je vais en prendre 4 pour me faire des bouteilles. Et tout à l'heure il me disait qu'il me fallait aussi. Ça va être où ça? On va trouver par là, non? Là-bas, peut-être, non. Ici, sûrement. Voilà. Hop, et ainsi toi. Voilà. On prend un deuxième. Voilà. On va se créer des piles aussi, peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Est-ce que j'ai de l'or? Oui, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai même du plomb, j'ai plein de trucs. Alors, donc, pour créer ceci, il me faut une pile et un circuit intégré. Un circuit intégré, je peux le faire. Une pile, je peux le faire. Voilà. Donc, je dois pouvoir me faire cet outil qui va me permettre de construire quelque chose. Alors, ça évolue quand même là. C'est de construire des habitats capables de résister à des conditions d'environnement extrêmes. Ok, très bien. Là, je ne peux plus construire ça parce qu'il me fallait un kit. Ok. Je vais transformer mes ressources. Dommage qu'on peut pas mettre de nombres. Là, il faut les créer un par un. C'est. Je vais créer le maximum que je peux là. Voilà. Donc, en ce moment, je suis bête. Je vais ensuite créer de l'eau. Voilà, par deux. Ça fait 30 à chaque fois.
Voilà, je vais pas en créer plus parce que ça va remplir mon inventaire. On va aller voir un peu ce que ça donne. De toute façon, comme j'ai soif, je vais le consommer. Hop, donc je vais pas tout consommer parce que ça faut économiser. Donc ça, on va les mettre là. Hop, 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 ça prend de la place. Le sel, le verre, le titane. Donc j'ai récupéré des schémas. Donc le kit, voilà, donc là, ouais. Kit de câblage avancé, ok. Donc ça, mes poissons, tout ça, ok, on est d'accord. Comment les faire cuire, on est d'accord. J'ai récupéré le thermomètre. Ok. J'aurais bien aimé plutôt récupérer la boussole, moi, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je l'ai fait, j'en ai un. Ça, faudrait que j'essaye d'en faire un. Je peux créer ça. Et je dois voir ce qu'il faut. Ok, il m'en faut trois encore. Ok, donc ça j'ai tout ça. Ok. Et pour me faire la paillasse. Ok. Alors par contre, vous voyez, je n'ai pas les. Je peux créer des couloirs, des tuyaux, des fondations, mais je ne peux pas créer encore de. Ça c'est une pompe à air. Fixation murale, d'accord. Je ne peux pas créer de module de vie pour l'instant parce que je les ai pas encore récupérés. Donc le fabricateur ne me, enfin le fabricateur, le ceci là ne me sert à rien. Bon, je l'ai fait parce que voilà, j'avais besoin de le faire en temps et en heure, comme ça c'est fait. Là il me faut une batterie haute capacité. Alors batterie haute capacité. Ça se construit avec ouais, donc là le kit, il me dit le super kit avec deux piles, et là des piles il me faut, ok, des champignons acides. Qu'est-ce qu'il me reste dans mon inventaire? Il me reste un cuivre, ok, donc hop, on va ici, je pense que je dois avoir du cuivre, non c'est de l'or, donc on va transférer l'or et l'argent ici. Ça c'est bien de l'or, hein. Ouais, ouais, de l'or, ok. Ça c'est du plomb, on va le transférer ici, la maille, on va le transférer ici, ça on va le transférer ici. Lui on n'en a pas besoin, on va le transférer ici. Ça on n'en a pas besoin, on va le transférer ici. Ça on va en transférer deux ici pour pouvoir créer encore une petite boîte flottante. Que je puisse ranger un peu d'affaires. Et on va la mettre à l'eau tout de suite. Hop, à côté de sa copine. Alors faut se mettre en face de ce côté-là pour pouvoir y accéder. J'ai peut-être du cuivre là-dedans. Non, j'ai pas de cuivre. J'ai que du titane, d'accord. Bon, bah, je pensais que j'ai déjà repris des ressources dedans. Bon, hop. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste poser la mienne là. Voilà, à côté. Voilà. Donc il me faut du cuivre et des champignons acides. Donc des champignons acides, il m'en faut 2, 3, 4 et du cuivre. Donc là le cuivre, on va aller chercher par ici. Je pense qu'il devrait avoir ça par là, non? Ah, faut peut-être que j'aille dans le... du cuivre. Bonjour, ah oui, du cul, il doit en avoir ici. Alors, on va traverser à fond pour faire partir le poisson fusée. Voilà, ils sont là. Non, oh, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ah, il y en a qui sont là. Il n'y a rien dedans. Ah, ben, il n'y a plus de poisson fusée. Ils sont tous partis. D'accord. Donc là. Hop, du cuivre, on va créer des piles. Hein. Hop, c'est pas du. On va se mettre ceci pour. Voilà, du cuivre encore. Du cuivre. Alors je sais pas si ça repop, mais ça a l'air. Hein.
Parce que j'ai dû les prendre ceux-là à l'entrée. Ah voilà. On va se mettre le petit. Hop. On va aller plus vite à remonter comme ça. Hop, on replonge et on fait partir le moteur. Hop, alors. On m'a dit qu'il fallait des piles haute capacité. Donc on doit pouvoir faire deux piles. Voilà. Et donc on va pouvoir faire une maxi pile avec du caoutchouc. Hop, il me faut du caoutchouc. J'avais pas prévu là en fait. Hop, on boit un coup. Voilà. 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 Et voilà. Une grosse pile là. Alors, donc, on va pouvoir faire ceci. Il me faut le titane et l'huile. Alors, j'ai dû en mettre de côté. Hein. Ça, il me faut ça. Et ça. Et on va voir ça. Voilà. Et on va aller le déployer dehors. Et voilà, je l'ai à la main, on y va. Libérer la mobile ici, ouais, enfin. On va libérer un peu plus. Là, il y a du fond, voilà. Voilà, on va le libérer ici. Voilà, pour qu'il puisse avoir un peu plus de profondeur. Pas trop loin de la capsule, donc on y va. Et voilà. Hop. On utilise les fabrications. Donc j'ai récupéré un bout de ce petit véhicule, mais j'ai pas tout. Donc je ne peux pas l'utiliser. Donc pour l'instant, voilà, ça c'est créé. On va le laisser là. Hop. On va aller mettre un petit peu de ressources dans mes caisses. Tout ça, j'ai pas besoin. Titane, cuivre et sel. On va ranger tout ça. Vert, titane, hop, comme ça on va aller faire la pêche aux ressources. Là on va surtout faire la pêche, la vraie pêche, c'est-à-dire manger. Viens ici toi, viens ici. Il nage plus vite que moi lui. Hein. Le seul moyen c'est peut-être de prendre ça. Est-ce que je peux... Ah, mais non, je suis pas doué avec ça, moi. Hop, alors, hop, ça, toi, je t'ai attrapé, c'est bon. J'ai bien attrapé un comme ça, quand même. Je suis pas doué, hein. Je suis pas bon du tout. Allez, allez, viens ici. Ben, pourtant, j'appuie quand il arrive. Ah, tiens, toi, viens ici. C'est pas évident avec le petit moteur, en fait. Hein. Parce qu'ils vont vite, ils vont super vite, eux. Bon, on va arrêter de jouer, hein. Alors, et comme il a faim, vu qu'on peut les manger, ah non d'accord, on peut pas le manger, pas cru, celui-là il n'est pas très nutritif. Bon, on va se retirer ça parce que là ça devient faisable. Il est où? Tu es où petit poisson? Petit poisson, viens me nourrir. Bon, boomerang, là, le boomerang. Oh, purée. Bon, je pense que je vais vous faire la prise de nourriture sans vous, parce que là je suis ridicule. Pourtant, j'y suis arrivé autre jour à les attraper. Hop là. Voilà. Le boomerang, là, viens ici. Allez, voilà. Bon, on va s'arrêter là, hein, pour la nourriture. Je pense que j'ai assez. On reprend le moteur pour rentrer plus vite. Hop. On va se faire cuire tout ça. Hop, on coupe là. Parce que là, il commence à avoir faim. Je pense que là, je dois avoir assez à manger. Hop, hop, hop,
Ah non, il en fallait encore un peu, quoi. Donc, je pense qu'on arrive bientôt à 30 minutes. Hop, on va récupérer le kit pour qu'il en fasse un autre quand même. On va le ranger puisque j'en ai déjà un. Je l'ai utilisé, bon, c'est pas grave. Donc, on a vu que ceci, on a vu les batteries, on a vu le fabricateur, on a vu le coffre, mais on n'a pas encore vu la radio. Allez. Voyons donc. Dans 9 heures, ok. Les intentions d'urgence des autres capsules de survie. Donc voilà, il faut surveiller la radio pour avoir des autres survivants qui pourraient nous appeler. J'aurais dû le faire au début parce que maintenant ils mettent un peu de temps à lancer et normalement, quand vous allez vous promener, à vous promener, chercher des ressources et autres, ici dans... Ah, je peux pas. À droite de votre écran, il y aura une petite radio qui va se mettre. Ça veut dire qu'il y a une communication à l'écouter. Donc, on va continuer à chercher des ressources et à essayer de trouver du matériel à scanner. Donc, on va retourner par ici. Ouais, je suis à 67. Attendez, je suis à 67%. C'est pas que je m'inquiète. C'est juste que. Bah, c'est par là. C'est juste que j'ai pas emmené une pile avec moi au cas où. Si je suis obligé d'aller loin et que ben, j'ai plus de petit bug. Voilà, on prend une pile et on est prêt pour aller explorer, mais ça je pense qu'on le fera dans la vidéo prochaine parce que là on a dépassé les 30 minutes. Alors n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé, commentez. Et mettez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et n'oubliez pas, dans les commentaires, vous pouvez aussi me dire, bah tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ou m'aider, quoi, parce que ce jeu, je ne le connais pas du tout. Allez, merci de m'avoir suivi. À plus tard. Ciao, bye bye.